Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir pour fêter avec moi les 30 années de carrière. Vous savez que si je suis là, si je fais 30 ans de carrière, je vous remercie. Chapeau aux organisateurs qui ont pris la responsabilité et la charge de faire venir Saline, pas que Saline, mais aussi son groupe Gaïa. Donc c'est un blesse quand même, mais c'est l'artiste et ses musiciens. Donc déjà ça nous donne l'honneur. Les 30 ans de carrière en même temps, c'est pas rien. Donc moi je suis très content que ça puisse se faire et j'espère que toutes les dates, que les salles seront pleines et que les Comoriens et les autres amis de la communauté comorienne viennent découvrir notre artiste de légende et qu'ils puissent aussi s'amuser, profiter de... Les artistes que tu manages sont Malek. Ils sont à l'affiche aussi. Daddy Poslim, Caporal. Capo, il est là actuellement, il n'est pas à l'affiche, donc là il va assister Daddy. Donc c'est l'équipe Watonia aussi. Daddy il est là justement pour rendre hommage, j'aime pas trop ce terme, pour. C'est son mentor. Quelque part, Salim Ali Amir, il a grandi avec, c'est vraiment un de ses artistes number one, comme on dit. Donc ça lui tient à cœur aussi de pouvoir participer ici en France à cette première date. Donc là, il rentre au pays la semaine prochaine, donc il a décalé le voyage pour pouvoir participer à ce concert. Donc j'espère que ça va être... Justement, c'est montrer cette solidarité aussi entre artistes, entre jeunes artistes, entre anciens. Alors, quelle impression tu as pour ce concert? Bonjour, quand vous invitez à l'émuseur, vous allez vous donner le maximum, parce qu'on veut toujours se demander le Timba Mundo. Donc, Gami Hama, Hamam Namal, il y a invité à l'émuseur, les légendes. Donc, Gami Tayari, Tchipanier, Nélafanier, nous allons vous aller à Fanny Chinan, mais soirée. Tu es le premier à avoir repris une chanson de Salim Ali Amir dans ma mémoire, si je me rappelle bien. Le Fundi avait validé, aujourd'hui tu es avec lui sur scène. Est-ce que tu vas chanter cette chanson? Oui, toujours, comme je l'ai fait. Manzani, le Djibola Hezio, le Salim Ali Amir, le Djibola la Mohamed Bahres, tiens. Bon, toujours, le Djibola, Pour toi, c'est une inspiration, 30 ans de carrière? On a tous grandi avec Salim Ali Amir, donc c'est
un honneur pour nous. Les éditions, c'est la camp de participer en fait à cet événement, quand nous sommes partenaires de cet événement. Donc c'est un plaisir de pouvoir lui remercier parce que grâce à lui, en fait, on a pu connaître des chansons qu'on n'aurait jamais écoutées peut-être. Et donc on remercie infiniment. D'accord. Qu'attends-tu de ce concert? Ah, j'attends beaucoup de choses, malheureusement, qu'on puisse lui remercier surtout toute sa carrière par rapport à cet investissement qu'on va avoir, parce que sa vie à venir, c'est notre icône, donc c'est important de lui rendre hommage ce soir. Wangazi watukwahera juu dunia wetu wangajumrao harmo msherehi wa malamengo miraru ya fungwa kusalimu ya huu msikuma leo ya wanyasi wetu wa hezaji wa shikomoro kawa uja wa shumiria au uja wa sute ni fungwa wa kusalimu jude maana kakwarsa ati mwanyasi mzile kila doka wa hezaji wa shikomoro kama uzuwao ngasi wazimanebano madono msuale muzise namnaje Farmu jeri mone mana watina ye tora mu ya hatuto kani wanzini haku ke kama sula ha jeri tanga ni hinda sina yeri shere hivati. Wasiendi ni wajonika wanani waheza juu wa mori. Quelles sont les chansons qui t'a marqué de Salim Aliamia? Papambe. Papambe. Pourquoi? En tant qu'artiste, pourquoi? Parce que c'est une chanson qui parle. Comment je vais dire, c'est comme un esclavage. Et franchement, ça me rappelle beaucoup. Et quand j'ai écouté cette chanson, moi, je me rappelle plein de choses. C'est pour ça que cette chanson, ça a vraiment marqué. Alors, nous sommes en présence de DJ Scotto. Bien sûr, tout le monde le connaît. Une personnalité à ne plus représenter dans la communauté comorienne. Alors, nous sommes aujourd'hui. Pour le 30e anniversaire de carrière de Salim Aliamia, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette longévité? Bonsoir, merci à Niweb. C'est vrai, c'est 30 ans déjà, c'est quand même une bonne carrière pour notre artiste. C'est une légende, Salim Aliamia. Mais ce qui m'a marqué, tout m'a marqué de Salim, passant par ses concerts, ses compositions. D'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui, parce que je suis le producteur de l'œuvre, si vous ne le savez pas déjà, de l'œuvre du Sambé de Mourouni. Donc j'ai travaillé avec Salim pour cette œuvre-là. Et bon, voilà, je lui souhaite surtout une bonne continuation pour les années à venir aussi. Et je lui dis bravo pour tout ce qu'il a. Et on est là ce soir pour moi c'est un honneur d'être sur l'affiche des 30 ans de carrière de plusieurs dates prévues, ça va être une longue tournée. Qu'attends-tu du public comorien? Je dirais au public que c'est le moment ou jamais, puisque 30 ans quand même c'est beaucoup, surtout pour un artiste. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne savent pas. Moi, bientôt, l'année prochaine, on peut faire mes 30 ans de DJing, pour ceux qui ne le savent pas aussi. Donc, je dirais il faut se mobiliser massivement. Vous aurez la chance de le trouver un peu partout, dans toutes les grandes villes de la France. Donc, c'est l'occasion pour marquer cet événement. Madame Mionao, Wangalizi wa Radio Inaweb, Wangasi Harumwa, Emmaha Mergumira, Yahe Kalere, Fondant Kusali. Nahunu, Riparisa, Wanyasi, DJ Scotto, Kao, Nanjo, Wanyasi, Kuya, Haja Ushangiri, Yahe Kalere, Yahe Wanyasi Salimu, Nahunu, Nanzari Msuari, Musi Haunro, Frahendini, Dulunio, Uskuali.
Mon nom est Bachir El-Mara de Radio Dunia Web. Et 30 ans de carrière, il y a Salim, moi, Ben Maïm, parce qu'en Andalie, il y a un petit cabane, un avocat, un peu, 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 un Chatsimbi, garder la culture, la famille de l'Union, Wassani, Hama, Tizinji, Waonese, culture, la famille de l'Union. Donc, Wassuanjo, Wanika, Wanika, Wodo, Rengami Fano, Mema, Soliman, Mwatu Salim, Kao. Kassim qui vient bien sûr avec nous fêter le 30e anniversaire de Salim Ali Amir. Kassim, bassiste que tu es, musicien que tu es, compositeur que tu es, qu'est-ce que t'as marqué Salim Ali Amir? Salim Ali Amir, c'est ma résurrection. Ça fait un peu, peut-être fait peur aux gens, mais c'est, je suis revenu à la communauté sur le plan culturel grâce en partie à Salim qui avait sorti alors un album qui s'appelait Jewy. Par le hasard, je rencontre une personne qui l'écoutait. Et je demandais qui c'est, il me dit c'est Salim Ali Amir. Je me souviens de ce mec-là, mais à l'époque je suis parti des Comores, il était encore apprenti clavier, donc dans les Anges Noirs. Donc finalement, c'est grâce à cela que je suis revenu donc, à la communauté, à la résurrection, et aujourd'hui je vous sers vous tous grâce à cet album-là qui s'appelle Dieu. Tout à fait. Ta participation dans la communauté est forte. Salim Ali Amir aussi a aidé la communauté à s'est battu pour la culture. Est-ce que c'est une preuve, pas une preuve, mais un exemple à suivre pour la jeunesse? C'est un exemple parce que c'est grâce à Salim qu'aujourd'hui tout le monde se prévaut d'avoir un studio chez soi, de pouvoir enregistrer de la musique à domicile, même si c'est pas forcément de la même qualité, mais il a ouvert le chemin à énormément de gens qui n'avaient pas accès. Et donc cet homme-là n'est pas seulement un artiste, mais c'est monsieur culture musicale par excellence. Il fait partie de ma génération et je suis vraiment fier d'être son ami. Je suis fier d'être là quand il a besoin de moi. Et aujourd'hui, on va donc fêter ses 30 ans. J'espère qu'on fêtera ses 40e dans 10 ans. Inch'Allah. Alors, pour terminer, tu as un message à ceux qui ont raté, qui devront quand même venir. Écoutez, je dirais à ceux qui ne sont pas là que c'est parti en Nice. Il est quasiment un mois sur place. Et j'espère que tout le monde sera là parce que ce n'est même plus une question de qualité musicale. C'est un homme exceptionnel, c'est un artiste exceptionnel, c'est quelqu'un qui a fait, qui va laisser une trace comme fut le cas de M. Celui de Tsaouni, il s'appelle
oublié son nom, voilà, Mohamed Hassan, vous savez, tous ces mecs-là font partie de la trempe de cette maladie. Donc cette maladie a ouvert la porte, a montré la voie, il est encore là pour autant, je l'espère, et je dis à tout le monde de venir soutenir parce que ça fait partie de l'histoire de la musique congolaise. Bon, bah, écoute, là ce soir, là on est là, bon, mais malheureusement je ne pourrais pas vraiment profiter pour bien danser toutes les chansons que j'aime bien de Salim pour ses 30 ans de carrière musicale, parce que là j'aurais partie de. Comment dirais-je je vais filmer cet événement, donc du coup j'aurai la nostalgie d'écouter et puis voilà. Vous savez, c'est un grand événement pour les 30 ans de Salim Ali Amir. C'est quelqu'un qui, bon, depuis 90, je suis devenu un grand fan de Salim. J'ai connu toutes ses chansons. Et je te dis une anecdote, c'est que depuis la 3e, j'avais gardé un cahier de 192 pages pour toutes ses chansons. Njewiri, Ngoma, et jusqu'à arriver à Riech. Donc du coup, bon, ben, je suis vraiment fan jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu merci, je participe à ce événement et j'ai eu la chance de pouvoir filmer cet événement, ça m'a fait un grand plaisir. D'accord. Quelle est la chanson qui t'a marqué de Salim? Si tu me dis de citer toutes les chansons, bon, ben, peut-être à chaque album. Une chanson. Nariyesh. Pourquoi? Bon, c'est la mélodie et avec vraiment la mélodie et les paroles. Tu es chez toi, tu dors, tu écoutes Nariyesh avec ton ami, ta femme, et puis voilà, bien, mais ça te fait rêver, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien Nariyesh, c'est une de ses plus belles chansons. J'aime bien. Nous sommes en présence d'un jeune homme, bien beau, bien stylé, à la comorienne, on va dire. On peut t'appeler les sultans ou... Non, on va commencer par cette interview. Alors, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ok, bah moi je suis Ben, je suis l'égérie de la marque Ibn Moussa. Donc Ibn Moussa est une marque de cannabis, donc nouvelle génération. Donc voilà, on a modernisé le cannabis. On a rajouté des coutures, une nouvelle matière, donc ça donne un nouveau style, une nouvelle identité. Et comme moi je suis comorien, on fait ça pour la culture comorienne aussi. Donc on a rajouté un drapeau sur les travaux. Et il existe des modèles qui sont sans drapeau. D'accord. Alors pourquoi être présent au concert de Salim Ali Amir? Alors tout simplement parce qu'on est la chance d'être partenaire avec l'association qui organise le concert. Et surtout que Salim Ali Amir est une grande personnalité et qui représente aussi les Comores. Et comme nous, on a la marque Ibn Moussa qui va au cannabis et on est aussi dans la culture comorienne. Donc ça c'est aussi facilement pour cet événement-là. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Salim Ali Amir pendant ses 30 ans de carrière? Bah, toute notre carrière, toujours la même motivation et surtout la même passion. Donc un homme comme ça qui carbure avec une passion pareille, ne jamais lâcher pendant 30 ans, c'est juste honorable. Franchement, on respecte la lumière. Au milieu des nuits blanches, dans le silence, des mots d'amour qui me parlent de ton retour, de moi. Je le fais vivre sans toi. Yoma, on est en présence de Didier qui va faire toutes les scènes de Salim Ali Amir. Alors pour toi, les 30 ans de Salim Ali Amir, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai été bercé dans ses chansons, tu vois, quand on était jeune. Et on a grandi un peu dans le milieu, on a vu nos grands frères grandir. Donc Jean-Claude, Saïdou, Skoto, Adi, Johnny qui nous ont bercé quelque part. Donc aujourd'hui on prenne un peu le relais, tu vois. Donc on essaie de faire le devoir qui est très important dans la communauté. Donc aujourd'hui c'est moi qui a fait la première partie de Salim. Ça s'est très bien passé, donc on a démarré l'aventure. Du côté de Lyon, il y a Dassa, et puis on essaie d'avancer. Je suis content aujourd'hui d'avoir été sollicité. Ça prouve que je suis un petit jeune pionnier qui est important dans la communauté. Et grâce aux Comoriens, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux Comoriens que je suis là aujourd'hui, donc je ne peux pas leur cracher dessus. La communauté Comorienne a fait beaucoup pour moi. Donc, machallah pour moi. Et je ferai en sorte de ramener loin.
le business de l'ordre de DJ en fait. Salim, face ses 30 ans de carrière, qu'est-ce qui t'a marqué? Quelle est la chanson qui t'a marqué? Moi j'ai une chanson qui m'a marqué, c'est Mitterrand. Mitterrand, ça veut dire que tous les chanteurs comoriens, Warengo, Salim Yakawese de Jingula Mitterrand, pour moi c'est une icône. Je peux rien dire pour ça, c'est une icône. C'est une légende pour moi. Et après, il y a une autre chanson qui s'appelle Kanatun Datsiborol, tu vois, c'est terrible. C'est deux chansons, de toute façon, à chaque fois que Samy vient, je lui dis vas-y, chante ces chansons pour moi. Pour terminer, il y a plusieurs dates que tu vas faire. On peut rappeler les villes? J'ai Nice, j'ai Marseille, j'ai Lyon, j'ai Dunkerque, j'ai Nantes, j'ai Bordeaux. Voilà. Alors, dernier message, pour ceux qui n'ont pas pu venir, rendez-vous à Grigny, j'imagine. Inch'Allah, le 29. Avril à Grigny. Donc soyez au rendez-vous, ça va être un énorme show. Ok, merci. We found mission.